Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 28 septembre 2021, direction l'hippodrome de Compiègne pour le prix de Beaune. Première course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. C'est un gros handicap divisé de première épreuve qui sera proposé aux amoureux de l'obstacle en ce début de semaine. En raison des récentes précipitations, le terrain devrait être lourd, ce qui sera une donnée importante à prendre en grande considération. Les concurrents se tenant de très près avant-coup au départ de cette épreuve, il ne faudra pas hésiter à élargir ses jeux. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 5, Denteur des Obos. Tournant autour du pot depuis le début de l'année et n'ayant pas terminé plus loin que quatrième, ce représentant de la casaque et de l'entraînement de Nicolas De Wilder devra encore une fois terminer dans les 5 premiers. En deuxième choix, le numéro 9, Folly Foot. Initialement, ce pensionnaire de l'écurie de Pascal Haddad devait être monté par un certain James Rivley. Le crack jockey britannique en tête à la cravache d'or étant sur la touche, c'est Bertrand Lestrade qui va le remplacer dans l'espoir de terminer parmi les 5. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Foreign Flower. Robert Collet l'aime beaucoup et sa rentrée lui a été profitable. Et volant à une valeur lui laissant une première chance ici, il ne devrait sûrement pas taper loin. En quatrième position viendra le numéro 2, Kim River. Tenu en haute estime par la famille de Vielle depuis le début de sa carrière, ce représentant de la casaque Uzel n'a qu'à répéter ses deux dernières tentatives pour espérer jouer un premier rôle. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Béton Gameway. Les représentants d'Arnaud Chaillé-Chaillé vont réaliser un gros deuxième semestre et comme il est en grande forme le matin, il faut absolument le retenir en très haut rang. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Chestnut Dream. Restant sur de bonnes tentatives sur le steep, il effectue un retour en haie attendu avec l'espoir lui aussi de terminer dans la bonne combinaison. En avant-dernier choix, le numéro 8, Risky Star. Très présent lors de son avant-dernière sortie victorieuse sur les haies, il a effectué une tentative en steep un peu moyenne dernièrement. Revenant donc en haie avec l'aide de Félix de Gilles, elle peut logiquement faire le show. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Saint-Anjou. Il revient dans une zone de poids lui conférant une bonne chance ici et avec l'aide du sérieux Johnny Charon, il peut théoriquement terminer parmi les 5 premiers également. En cas de non partant, le numéro 1, Gage de Réussite, piloté par un certain Gaëtan Mazur, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono s'illustre encore une fois en indiquant le tiercé dans le désordre, le quartet de 306 € et le quintet, tenez-vous bien, de plus de 1 203 € tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier des nombreux pronostics gagnants, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé.